every time that I see your face, it always makes me smile. Oh, oh. And every time that I drive to you, it's always worth my while. Oh, oh. So let me sing for you, like the birds in the mountains do, like a child who... Bonjour à tous, ici Dingo d'Orwan. Aujourd'hui, petite vidéo. Départ, j'étais pas très content. Après des recherches, j'étais content. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui le clavier ici. Donc, c'est un mini clavier. Donc, ici, de chez ePassport. Donc je l'ai acheté sur chez Gearbest. Donc c'est un mini clavier qui peut contrôler tous les appareils. Hein, si on regarde la boîte, voilà. Donc les box TV, les PC, les Xbox apparemment, tout ce qui est console de jeu et les téléphones. Donc il est fourni avec un USB dongle. Hein, donc pour la connexion. Sur les appareils USB ici, donc j'ouvre le cache, vous voyez il y a une batterie de 800 mAh à l'intérieur. Donc je l'ai reçu batterie chargée, je l'ai pas encore chargé hein, c'est nouveau, je l'ai reçu hier. Donc ils fournissent également un câble, donc c'est un câble standard USB hein, très court, c'est vraiment un petit câble. Donc pourquoi je n'étais pas content, donc vous voyez j'étais étonné de trouver des claviers AZERTY donc pour la France ou pour la Belgique en Chine, c'est très rare, donc j'en trouve pas, il faut ici acheter en magasin. J'étais étonné d'en voir sur Gearbest, donc j'ai commandé la version française. Donc vous avez aussi le manuel explicatif. Hein. Ce manuel, il m'a été très très important. Je vais vous dire pourquoi. Donc sinon, donc vous voyez, le clavier est en AZERTY, etc. Je branche. Donc je l'ai acheté. Je possède la Nvidia Shield TV. Je branche le USB dongle sur la Nvidia Shield TV. Donc tout de suite reconnu, pas de problème, ça fonctionne. Ensuite, j'essaye. Hein. Moi, je l'ai acheté surtout pour taper du texte. Parce qu'avec la télécommande ou la manette Shield, taper du texte, donc aller de lettre par lettre, c'était un peu saoulant. Et on ne peut pas tout dicter non plus au son. Et même au son, c'est souvent du cafouillis. Vous voulez dire, par exemple, rechercher Game of Thrones. Ah ben il va te mettre recherche caleçon, des trucs stupides comme ça, donc voilà, donc je branche et là le clavier QWERTY, je regarde dans les paramètres de la Shield, je dis que c'est le problème vient de ma Shield, QWERTY. Donc je recherche dans les paramètres, etc. Le clavier et tout. Clavier en français, pas de problème. Je regarde sur Kodi. Kodi, clavier en français, pas de problème. Donc je dis, il doit avoir une astuce. Pas moyen, je ne trouve pas. Par la suite, donc j'essaye le USB donc sur mes autres téléphones. Donc je possède 3 téléphones, j'essaye tous pareil, je tape sur A, c'est un Q qui sort, jeu de mots pour ceux qui veulent rigoler. Je prends le manuel, je regarde, donc si on regarde par exemple ici, il marque Full QWERTY Keyboard, donc clavier en Full QWERTY. Je regarde partout, aucune mention d'AZERTY. Donc, j'étais pas content au départ. Puis,
Donc je regarde le manuel, je regarde, je dis les Chinois, bon, ils copient sur l'Europe, mais ils peuvent pas vendre juste les lettres AZERTY, les placer alors que c'est du QWERTY. Donc je dis, ils feraient pas ça quand même. Donc j'ai cherché dans le livre et j'ai trouvé, je recherche ici. Donc j'ai trouvé à la fin, ici en 4, ils marquent ici. Donc ils ont tout prévu. Hein. Donc je fais le point sur le texte. The multimedia keys can work. Donc si la clé multimédia ne fonctionne pas. Donc mise à jour. De la version du player ou installer un autre driver. C'est le même avec Logitech. Donc ils ont dit c'est le même programme que Logitech. Donc comme bien sûr les Chinois n'investissent pas grandement pour faire des prix très très bas, ils se servent des autres marques et font des produits moins chers. Donc tout ce qui est programmation, etc. Donc je me renseigne sur Logitech, je télécharge le programme pour leur clavier en Bluetooth et miracle, ma Shield reconnaît le clavier AZERTY. Donc je vous mettrai en lien en description le programme auquel je fais référence pour ceux que ça intéresse d'acheter le mini clavier en AZERTY, parce que c'est rare les mini claviers en AZERTY. En général, c'est en QWERTY, j'en possédais un en QWERTY qui a rendu l'âme. Au fait, le USB dongle y a rendu l'âme. Donc le clavier ici est rétroéclairé. Vous pouvez changer la couleur. Je vous montre. Donc vous pouvez appuyer sur FN hein, et changer la couleur. Donc comme le Front National qui change toujours de mentalité. Voilà. Donc ou si vous n'aimez pas le rétroéclairage, hein, voilà, vous pouvez l'éteindre. Moi je l'ai mis sur bleu. Donc le clavier est économique. Hein, il s'éteint si vous ne l'utilisez pas. À bon point. À un moment, j'étais dérouté parce que je ne trouvais pas la touche M. Et je dis, où ils ont bien foutu la touche M? M comme maman, hein, je parle bien de la touche M. Je regardais, je dis, bah, il n'y a pas de touche M. Je regarde, il n'y a pas de touche M. Et après, je dis, c'est pas possible, ils n'auraient pas pu faire ça. Parce que MN, il n'y a pas. Donc après, bien sûr, elle est là. Sur ce coup-là, je me suis fait une petite frayeur. J'étais un peu stupide. Mais en regardant, elle est là. Donc je dis pourquoi elle est excentrée aussi loin? Bon, j'ai toujours pas compris. Bon, c'est peut-être une utilité. Ou par rapport au clavier QWERTY, il savait mettre la touche là par rapport au programme. Mais bon, avec le programme Logitech, vous mettez le programme Logitech en français. Donc quand vous installez l'APK sur la Nvidia Shield TV. Donc faites-le avec une clé USB, bien sûr, ne téléchargez pas sur le Play Store, de toute façon vous n'allez pas le savoir le télécharger. Et là, c'est possible que l'application elle plante si vous suivez les instructions. Donc ne suivez pas les instructions parce que ce programme-là est fait pour les claviers Bluetooth. Ça, c'est pas un clavier Bluetooth. C'est avec un... Donc Bluetooth, c'est sans... connexion extérieure. Donc suivez pas les étapes. Coupez pour ceux qui veulent une vidéo sur ça, je leur ferai. Bon, faudrait déjà que les gens s'intéressent à un mini clavier comme ça. Mais bon, dites-le moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour le programme. Mais sinon, je vous les mettrai en description. Donc sinon, ne suivez pas les étapes de l'APK. Couper et aller directement au deuxième niveau. Quand vous allez voir la PK, vous allez le voir. Et là, mettez connexion. Et là, vous allez voir le clavier. Le clavier sur la Nvidia Shield donc sera reconnu en AZERTY. Et là, plus de problème, tout fonctionne. Donc, pour ceux qui veulent savoir combien je l'ai payé, je l'ai acheté. Donc, au fait, il était à 10,40 € je pense. Il était en promo sur Gearbest à 8,40 € avec les codes promo et tout ça, je l'ai eu pour 5,40 €.
Donc 5,40 € un clavier avec rétroéclairage, touchpad. Donc touchpad, donc quand vous le recevez, ça dépend si vous êtes loin ou pas. Bon, il n'est pas top top, mais il fait l'affaire. Donc voilà, donc sur PC, je l'ai testé aussi également sur PC. Sur PC, il fonctionne correctement. L'AZERTY fonctionne, tout fonctionne correctement. C'est en le branchant sur le PC aussi que j'ai remarqué qu'il fonctionnait. Donc c'est pour ça que j'ai fait des recherches, que je ne l'ai pas balancé à la poubelle. Pour dire, je me suis fait arnaquer, mais non. Il y a toujours une solution à tout. Le clavier est très bien, il me sert. Il est très très bien, très performant. Il me sert sur la Nvidia Shield TV correctement. Donc vous appuyez sur, par exemple, je vais vous rapprocher. Ici. Okay. Il fait le point ou pas? Bon, désolé, il met du temps à faire le point. Voilà, donc là vous avez play, pause, vous appuyez là, la vidéo sur Kodi ou autre, ça fait play, pause, le volume plus moins, donc le volume plus moins directement, avancer, reculer, donc ça fonctionne pas sur Kodi comme ça, mais vous avez de l'autre côté les flèches, donc là vous pouvez ici avancer, reculer, vous appuyez sur recherche, vous pouvez faire une recherche. Donc le clavier ne possède pas de micro, hein. Donc si vous voulez appuyer sur recherche et faire recherche vocale, il n'y a pas de recherche vocale. Donc vous pouvez faire pause, direction, retour maison directement, couper le son directement, clic gauche, clic droit. Donc vous avez aussi deux gros boutons pour clic gauche, clic droit. Donc vous pouvez agrandir ici, par exemple, quand vous glissez là. Bah, c'est trop court parfois, il faut revenir là pour glisser. Bah, vous pouvez agrandir le curseur pour qu'il aille jusqu'au bout de la diamètre de votre télé si vous avez une très très grande télé. Bah, le clavier, il est simple. Il est un peu épais mais léger, hein. Il inspire confiance, qualité. Donc ici, vous avez le USB, je ne sais pas si vous voyez. Voilà ici, c'est pas évident de vous montrer. Parce que du noir sur du noir. Ici, je sais pas, hop, peut-être plus loin. Voilà, ici vous avez le USB. Vous le branchez et il recharge automatiquement. Donc pas besoin d'enlever la batterie, le mettre sur un autre support pour recharger. Là vous avez le bouton. Je sais pas si vous le voyez. Bon, le bouton on-off. Voilà, bon, c'est un bouton, je sais pas vous le montrer, c'est petit et noir. Donc, on off, donc pour allumer et éteindre. Connexion, ici vous voyez quand il est connecté, ben, ça s'allume, hein. Là il est connecté, ma shield est allumée. Là pour régler la lumière. La mise au point, c'est pas évident, c'est pas un très gros clavier. Si je le mets sur ma main, je vous montre. Voilà, donc il fait une main. Donc il est quand même un peu plus grand que l'ancien que j'avais. Mais les touches sont assez larges et grandes, ce qui est bien. C'est un bon produit. Je suis content au final, malgré la complication pour le mettre en AZERTY. Donc sur la Nvidia Shield TV, je ne sais pas si ça fait la même blague sur d'autres box, mais sur la Nvidia Shield TV, ben, c'était un petit peu compliqué. Donc un peu tout est compliqué sur la Nvidia Shield TV parce qu'elle est un peu dans son univers. Mais bon, ça reste la meilleure des box TV. Donc oui, donc ici vous voyez, vous avez des touches bleues. Le problème,
du rétroéclairage. Donc si je rappuie dans le noir, bah, les petites touches bleues, bah, vous les voyez plus. Je peux choisir n'importe quelle couleur. J'ai testé, vous voyez plus tout ce qui est en bleu. Donc la peinture aussi, quand c'est rétroéclairé, je ne serai pas vous le montrer ici, mais on voit que c'est vraiment une fine couche de peinture noire qu'il y a sur les touches, parce qu'on voit les pixels, donc on voit bien que c'est pas, bah, c'est à cause de l'éclairage. Mais bon, pour le prix, bon, je répète, je l'ai payé 5,40 €. Vous pouvez l'acheter à 8,40 € sauf si vous avez des bons de réduction comme moi et des coupons. Bah, à force de faire des vidéos et tout ça, je reçois des points. Ces points-là, je les reconvertis en argent. Donc, c'est directement sur Gearbest ou autre. Vous avez des points et vous pouvez le faire. Donc bien sûr, il est marqué Made in Chinois. Donc, Receiver Inside. Donc, ici, c'est écrit hein, pour ceux qui n'avaient pas remarqué que quand on le reçoit. Le USB dongle se range dedans. Je vous montre où il était. Donc on ouvre, il était ici. Attendez, ici. C'est ça. Voilà, il était ici. Donc pour les voyages, pour le transport, c'est pratique. Après, c'est sûr, pour l'enlever, j'ai eu un peu de difficulté. Voilà, il faut faire le glisser. Et hop, on le reprend. Il y a deux emplacements. Ah bah, on peut le mettre dans les deux emplacements. Donc je sais pas, au cas où au cas où ça fonctionnerait plus. Le problème de mon ancien, c'était ça qui avait cassé. Le USB dongle. Donc j'espère qu'il va tenir longtemps. Parce que si ça s'use et ça s'abîme, bah ouais, bah, plus de connexion. Et voilà. Donc, bah, il n'y avait rien d'autre à dire dessus. Hein. Ça reste un mini clavier. Voilà, avec trackpad. Donc, très bonne qualité. Je suis très content. Très bon marché. Et en AZERTY. C'est pour ça que je vous fais la vidéo. Hein, parce qu'il était en AZERTY. Sinon, des vulgaires QWERTY. Donc, la marque, c'est ePassport. Voilà, pour ceux qui s'intéressent d'acheter. Donc, je l'ai acheté sur Gearbest. Moi, j'achète les produits comme tout le monde. Hein. J'ai pas, ils me les donnent pas. Je peux les critiquer, je les critique. Voilà. Donc pour ceux qui s'y connaissent pas du tout et que vous savez pas installer, si vous voulez du prêt à l'emploi, bah, ce clavier-là sur une Nvidia Shield, en tout cas, j'ai pas testé. Donc bah, sur mes téléphones aussi, il était reconnu en QWERTY. Donc je sais pas. Il faudra que vous demandiez à quelqu'un qui vous installe le programme, etc. Mais sinon, bon, je suppose que installer un APK et bidouiller un petit peu à l'intérieur, donc au niveau de l'installation, donc mettre le clavier en français, la langue en français, c'est pas difficile. Tout le monde peut le faire, je pense. Mais bon, toujours des gens, bah, c'est plus, pour nous, ça semble simple, mais pour d'autres, c'est plus difficile. Je critique pas ça. Moi, j'ai des difficultés sur d'autres choses. Donc voilà. Donc je vous montre un peu le paquet. Il est joli. Hop, un joli petit paquet avec des explications. Tout en anglais. Hein. N'espérez pas avoir de français. Même si c'est un clavier pour la France, il n'y a rien pour les Français. Donc j'ai reçu dans ce petit sachet ici. Donc voilà. Merci d'avoir regardé. C'était Dingo Dorwan. N'hésitez pas à poser vos questions. J'ai un jeu concours pour gagner une caméra Sricam. Elle sera en lien aussi. Merci d'avoir regardé. Bonne journée.